When we first look at the belief in the condition, premièrement, ce qu'on peut faire, c'est d'abord regarder la croyance en cette condition. We have to understand that we must go all the way to the roots of the perception. Il faut comprendre qu'il faut aller jusqu'à la racine de cette perception. For example, I mentioned yesterday my three-legged cat. Par exemple, j'ai mentionné hier mon chat à trois pattes. When I mention this, I mention her name Tripod. Quand j'ai parlé d'elle, j'ai parlé de son nom, c'est Tripod. And people go, oh, what happened? Et les gens disent, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Like there's a problem. C'est-à-dire qu'il y a un problème. They say, what happened to her fourth leg? Qu'est-il arrivé de sa quatrième patte, avec sa quatrième patte? Was it an accident, an event, or was she born with three legs? Est-ce que c'est un accident, un événement, ou est-ce qu'elle est née avec trois pattes? But the assumption underneath it is that there's a problem with Tripod. Mais il y a une supposition en dessous qui a un problème avec Tripod. We have a very great relationship in the sense that we both know, but it seems that we know that there is no problem. On a pourtant une superbe relation et on sait qu'il n'y a pas de problème. She is a very happy, loving, joyful expression. Elle est très heureuse, elle est très contente, elle est très joyeuse dans son expression. And she has been a witness for many years that she doesn't really believe in handicap. Et elle a été témoin que pendant de nombreuses années, elle ne croit même plus en ce qui est un handicap. She had a sister for years that would play with her and bat her in the head with the paws. Elle a même une sœur qui, pendant des années, jouait avec elle et puis la battait en quelque sorte avec ses pattes à elle. And for Tripod, this was a game, so she would take her little nub. Et pour Tripod, ceci était un jeu, donc elle prenait ce qui lui restait face à son épaule et puis elle faisait comme ça avec. They played all the same games, chasing each other. Running up bushes and trees, and ils jouaient au même jeu tous les deux. Elles jouaient toutes les deux au même jeu. Elles se couraient l'une après l'autre. Elles montaient, elles grimpaient, elles descendaient. Dans les... But she has never. I've never felt the feeling with her that there's anything wrong with her. J'ai jamais ressenti avec elle le sentiment qu'il y avait quelque chose d'anormal avec elle. In fact, there have been times when the condition of one of her eyeballs, her eye has turned funny colors, and you might say it would seem to have like what the world calls pus or right. Même une fois, elle avait une sorte de condition qui a commencé à se développer sur son œil, avec du pu à l'intérieur, sur deux choses, et puis une couleur assez bizarre. But we made an agreement early on that we would not get into medicine and doctors and all this stuff of the world. We have an agreement. Mais on s'était mis d'accord tous les deux bien avant cela qu'on n'allait pas aller dans tout ce qui est, on n'allait pas faire tous les docteurs et tous les médicaments et tout genre de choses. And so when people would come to visit me and they would see her eye, they would, oh. Et alors quand les gens, we must get her to a veterinarian.
can I get some salve, some medicine to put in the eye? Et quand les gens venaient à la maison et la voyaient dans cette condition avec l'œil et tout, ils se disaient, oh, est-ce que je peux l'amener chez le vétérinaire? Est-ce qu'on peut lui mettre des choses dans, pour arranger les yeux? She looks like she could be like a pirate to put a little patch sometimes over the eye, like a little pirate. But no, I just let her be. Non, elle pouvait. Il semble qu'elle aurait pu être un petit, une sorte de petit pirate avec un truc sur l'œil, mais non, moi je l'ai simplement laissé être comme elle est. And then the condition changes and it goes away and she is still gazing as if nothing has changed. Et je l'ai laissé être comme ça, et puis la condition part, s'en va, est partie. Et maintenant, et pas et toujours, je la vois me regarder comme si rien ne s'était passé. So, when you go deeper into the mind, you start to see that even when we have the belief in a physical healing, quand vous descendez plus bas dans l'esprit, plus en profondeur dans l'esprit, on a la croyance. We have the belief that there can be a physical healing. Il y a la croyance qu'il peut y avoir une guérison physique. Is that we have just misunderstood the nature of things. Et devant cette croyance, en fait, on a mal compris la nature des choses. Quand on a cette croyance. That even definitions of healing that involve the body. Que même toute définition de la guérison qui implique le corps have to be washed away and released. Doivent être nettoyés et libérés. I remember one time I was reading A Course in Miracles. Je me rappelle une fois, je lisais le cours en miracles. And it said, do not ask the Holy Spirit to heal the body. Et dans le livre, il est dit, ne demande pas au Saint-Esprit de guérir ton corps. And I thought, that is strange. That seems like a reasonable request of the Holy Spirit. Et je me suis dit, tiens, c'est assez étrange. Ça semble être une demande assez raisonnable vis-à-vis du Saint-Esprit. But then it continued on and said, ask the Holy Spirit to heal your perception of the body. Mais un peu plus tard dans la leçon, il était écrit, demande plutôt au Saint-Esprit de guérir ta perception de la condition. So we are back to the same thing of seeing that the problems do not involve the form, the problems are with misperception in the mind. On en revient à voir que les problèmes n'ont rien à voir avec la forme, mais ils ont tout à voir avec la malperception, la mauvaise perception qu'on a à l'esprit. So, the healing has already occurred. Alors en fait, la guérison a déjà eu lieu. And it's just covered over in awareness by a past belief. Et elle est tout simplement recouverte dans notre conscience par une croyance passée. He has two lessons in the Course in Miracles, 79 and 80. Il y a deux leçons qui se suivent dans le cours en miracle, la 79 et la 80. 79 is let me recognize the problem so it can be solved. La 79, c'est laisse-moi reconnaître le problème afin qu'il puisse être résolu. And lesson 80 is let me recognize my problems have been solved. Et la 80, c'est laisse-moi reconnaître que mes problèmes ont été résolus. He makes it very clear that even if the problem has already been solved, it won't help you as long as you have misdefined the problem. Il vous fait bien comprendre dans le cours que même si les problèmes ont déjà été résolus, ça ne changera rien. If you have misdefined the problem. Ouais. Ça n'aidera en rien si vous avez encore une mauvaise définition de ce qu'est le problème. And this is very, very profound. Et ceci est tout à fait profond. It is a wonderful idea that all problems have already been solved. C'est une idée géniale, une idée fantastique. Celle qui nous dit que tous les problèmes ont été résolus déjà. But the ego has enormous resistance to accepting this. Mais l'ego a
d'énormes résistances à accepter ceci. In fact, the ego will never accept this. En réalité, l'ego n'acceptera jamais ceci. It has to be that your mind will accept this healing idea in place of the ego. Mais ce qu'il va devoir se passer, c'est que votre esprit accepte cette idée au lieu de l'ego, à la place de l'ego. So this journey becomes more and more humbling. Alors ce cheminement devient de plus en plus un cheminement d'humilité. As you realize that the problem is maintained when you think you know anything about this world. À mesure que vous reconnaissez que le problème est maintenu en place quand vous croyez savoir ce qui se passe dans le monde. Even about something as basic as the body. Même au sujet de quelque chose aussi simple, aussi basique que le corps. Yeah. Many of us have read many different spiritual books. La plupart d'entre nous ont déjà lu plusieurs livres spirituels. Or taken many workshops. Ou ont assisté à plusieurs conférences, à plusieurs ateliers. And so we could say that there are many beliefs in these spiritualities about the body. Alors on peut dire que dans la spiritualité, il y a plusieurs croyances qui impliquent le corps, au sujet du corps. People can talk about an energy body or an ethereal body. Les gens peuvent on peut parler d'un corps énergétique, d'un corps éthérique. About the chakras. On peut parler des chakras. About balancing energies. On peut parler du balancement, de l'équilibrage d'énergie. These things all go under the name. Par le terme guérison. And as I shared yesterday, they are part of like stepping stones. Et comme je l'ai dit hier, ils font partie d'étapes. C'est pas d'étapes. But in reality, they are all part of the illusion as well. Mais en réalité, eux aussi font partie de l'illusion aussi. There are spiritualities that say that you can, you know, take the body with you as a perfect body. Il y a des spiritualités qui disent que vous pouvez prendre le corps avec vous comme un corps parfait en fait. Reprendre le corps avec vous. But a perfect body is just as much of an illusion as a sick body. Mais un corps parfait, du moins un corps en bonne santé, est autant une illusion qu'un corps en mauvaise santé. So, this is where you start to just begin to question everything that you think you know. Et c'est là où on en arrive à remettre en question tout ce que nous croyons savoir. When I met with a group of students on a daily basis back in the 1990s, dans les années 90, quand je me réunissais avec tout un groupe d'étudiants, We really didn't have a lot of structure or themes or processes to work on. On n'avait pas beaucoup de structure ou du moins de thèmes sur lesquels travailler. We would simply have breakfast in the morning. On prenait un petit déjeuner le matin. And have a time of quiet or meditation. On prenait du temps pour faire une méditation dans le calme. And then, when we would all gather like this, I would say, does anybody think they know something? Et puis, nous nous asseyions comme ça, et moi je demandais, est-ce que quelqu'un croit qu'il sait quoi que ce soit? And that's how we would start. Et c'est comme ça qu'on commençait. And we would go the whole day. Et on dura comme ça toute la journée. Someone would say, I think I know something about computers. Quelqu'un disait, moi je crois que je sais quelque chose au sujet des ordinateurs. I would say, what do you know? Je dirais, bon alors, qu'est-ce que tu sais? They say, well, I know many things, but let's start off with the most basics. Moi je sais plusieurs choses, mais commençons avec les plus simples. I push the on button, and the machine comes on. J'appuie sur le bouton play, sur le bouton on, et la machine s'allume. I said, but does this happen all the time? Est-ce que ça se passe tout le temps, ça? Everyone agreed most of the time. La plupart du temps. But there are exceptions. Mais il y a quelques exceptions, bien sûr. They said, well, you do not know then that you push the on button and
and it comes on. Alors je lui ai dit, donc tu ne sais pas le fait que appuyer sur le bouton on fait démarrer la machine. But let's be clear about truth. Truth has no exceptions. Soyons clairs à propos de la vérité. La vérité ne fait aucune exception. So you're telling me this most basic thing about a computer, and we have just proved that you do not know that that is true. Tu viens de me parler donc de la chose la plus basique d'un ordinateur, et on vient de voir la preuve que ça n'est même pas vrai. So we don't even need to talk about Windows and operating systems. You've already shown you don't know about the button. Alors on n'a même pas besoin de parler des logiciels et des Windows et des systèmes d'opération informatique parce que on vient de voir que la chose la plus simple, tu ne le sais même pas. Then we would go on to the next topic. Does anyone know anything about the body? Et après, donc on parlait après de l'autre sujet, d'un autre sujet. Et l'autre sujet, c'était, est-ce que quelqu'un sait quoi que ce soit à propos du corps? He would say, well, yes, I know basic things. Ouais, ben moi je connais des choses basiques, quoi. I've done some studies in biology. J'ai fait des études de biologie, par exemple. But even more simple, I know that it is born and it dies. Mais plus simple encore, plus basique, moi je sais que le corps naît, puis il meurt. It's healthy at times, but then it gets sick. Il est de temps en temps en bonne santé, et puis de temps en temps malade. It grows old. Il vieillit. And it changes as it grows old. Et tout en vieillissant, il change. These are the basics. And so I would say, oh, you think you know these basic things about the body. Et moi je disais, bon alors tu crois donc que tu connais ces choses simples et basiques à propos du corps donc. So you have accepted these concepts of birth and death. Alors tu as accepté tous ces concepts de naissance et de mort. But where did this come from? Et d'où est-ce que ça vient ça? How does birth and death relate to oneness? Comment est-ce que la naissance et la mort ont quoi que ce soit à voir avec l'unité? Yeah. Concept. Have to have an origin. Les concepts doivent avoir une origine. And so these are the discussions that we would have every day. Et ce sont ce type de conversations, de discussions que nous avions tous les jours. And when I would get quiet, you know, someone would say, I know something about nutrition. Et quand c'était calme. Il y avait quelqu'un qui commençait à dire, ah, moi je sais quelque chose à propos de la nourriture, de la nutrition. Or I know something about art. Ou je connais quelque chose à propos de l'art. Or I know something about music. Ou je sais quelque chose à propos de la musique. And then we would spend the whole day saying, is it so? Et puis on passait toute la journée à se dire, est-ce que c'est vraiment le cas? Do you really know this? Est-ce que pour sûr tu connais ceci ou tu sais cela? And this is how you open up the mind. Et c'est comme ceci que on ouvre l'esprit. The mind is just wrapped up in all these false knowings, false concepts. L'esprit est tout simplement refermé sur lui-même, empaqueté dans tous ces faux concepts. Yes, it's like opening a Christmas present. You have to take the bow off and dig through the wrapper. C'est comme ouvrir un cadeau de Noël. Il faut tirer le ruban, il faut enlever le paquet, il faut le dépaqueter en fait. Yeah, you have to take all the packaging and on all the stuff off to get to the gift. Pour arriver au cadeau, il faut tout enlever avant. Il faut enlever tout le papier, toute la boîte, le carton, les rubans, etc. And isn't this beautiful in relationships? Et ceci n'est-il pas merveilleux quand on parle de relations? Two people come together to fall in love. Deux personnes se rejoignent l'un l'autre pour tomber amoureux. And they each believe that they know something. Et chacun croit qu'il sait ou qu'il connaît quelque chose. That's what makes it interesting. C'est ça qui le rend intéressant, cette relation. If they both were aware that they knew nothing, si les deux étaient conscients qu'ils ne savaient rien, oh, what a beautiful relationship. Ça serait vraiment une relation géniale. But they think they know something. Mais ils croient qu'ils savent quelque chose. And then the trouble starts. Alors les problèmes commencent. And the conflict. Et les conflits. And the control. Et le contrôle. It's the same with spiritual communities. C'est la même chose avec les communautés spirituelles.
You could have a community of 13, like Jesus and the apostles. Vous pouvez voir, par exemple, une communauté de 13, comme Jésus et les apôtres. But if they all were aware that they knew nothing, mais si tous étaient conscients du fait qu'ils ne savent rien, there would be no drama. Il n'y aurait plus aucun drame. No struggle. Il n'y aurait plus aucun problème, une bataille. That which is does not know about specifics. Ce qui est n'est pas au courant du spécifique, de ce qui est spécifique. That's why there is no drama in heaven. C'est pour ça qu'il n'y a aucun drame au ciel. In heaven, nothing is specific. Au ciel, au paradis, rien n'est spécifique. In oneness, there are no parts. Dans l'unité, il n'y a pas de partie. So this is what we are loosening our mind from. Et c'est de ça que nous relâchons, libérons notre esprit. When I say it's practical, I mean that the Spirit can use the specifics. Et quand je dis que c'est quelque chose de pratique, ce que je veux dire, c'est que l'Esprit peut et va utiliser le spécifique. To show that they don't exist. Afin de montrer qu'ils n'existent pas. And that's the relief. Et c'est ça la libération, le souffle. It's very practical. Tout à fait pratique. At one time I was in the car taking a drive with a friend. Une fois j'étais dans la voiture et on conduisait avec un ami. And my friend said, "Oh, that noise does not sound good." Et mon ami a dit, "Ah, ce bruit ne me semble pas très bon." And I said, "What noise?" Et je lui ai dit, "Mais quel bruit?" And she said, "Can't you hear it?" Et elle me dit, tu peux pas l'entendre? Écoute. She said, I know my car. Elle me dit, je connais ma voiture. And I know the sounds of my car. Et je connais les sons et les bruits de ma voiture. And that sound is not a good sound. Et ce son-là n'est pas un bon son du tout. There's something very wrong with my car. Il y a quelque chose qui va pas du tout avec ma voiture. I said again, what sound? Je lui ai dit, mais quel son? She said, can't you hear it? Elle me dit, tu peux pas l'entendre? Tu peux l'entendre? It is like a grinding noise. C'est comme un bruit grinçant, merci. And I said, well, what do you feel we should do? Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu crois qu'on peut faire? She said, I think we should stop the car. Je crois qu'on devrait arrêter la voiture. I said, okay, let's stop the car then. Ok, alors arrêtons la voiture. And then let's start to explore what you believe about this car. Et maintenant, commençons à explorer tout ce que tu crois à propos de cette voiture. Do you think you know how it works? Est-ce que tu crois que tu sais comment elle marche? She says, no, not very well. Elle dit non, pas vraiment. But I know this sound is not a good sound. Mais je sais que ce bruit n'est pas un bon bruit du tout. I said, what is wrong with the sound? Je lui ai dit, c'est quoi le problème avec ce bruit, ce son? She said, there's nothing wrong with the sound, but there is something wrong with the car. Elle dit, il n'y a rien de mal avec ce bruit, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond avec la voiture. Because the car does not normally make this sound. Parce que la voiture ne fait pas d'habitude ce bruit-là. It's a sign of a problem. C'est le signe qu'il y a bien un problème. So I said, well, where is the problem? Alors je lui ai dit, mais où est le problème? She said, it's in the car. C'est dans la voiture. I said, are you sure? Je lui ai dit, est-ce que tu es sûr? And she said, I don't know where in the car. Je ne sais pas où dans la voiture. But somewhere in the car is the problem. Mais quelque part dans la voiture, il y a un problème. I said, are you really sure about this? Je lui ai dit, est-ce que tu es vraiment sûr de ça? And she said, well, maybe I'm not completely sure. But I think I know. Peut-être que je ne suis pas complètement sûr. Je crois savoir. So we spent the next half an hour continuing our Alors on a passé la demi-heure qui a suivi comme ça. I was just asking her to question her belief that she knew what the sound meant. Je lui ai demandé encore d'interroger ses propres croyances qui lui disaient ce qu'était ce que voulait dire, ce que signifiaient ces sons. And finally,
Et finalement, I said, are you willing to let go of the belief that you know what that sound means? Finalement, je lui ai demandé, est-ce que tu as la bonne volonté, est-ce que tu es désireuse de lâcher la croyance de ce que veulent dire ces sons? Because it seems that you are upset about the sound. Parce qu'il semble que tu es contrarié à propos de ces sons. Are you willing to join me in peace? Est-ce que tu es désireuse? As-tu la bonne volonté de me rejoindre dans la paix? Yeah. And after about an hour of sitting there in the car, et puis après à peu près une heure de rester là dans la voiture, she agreed to join me. Elle s'est mise d'accord pour me rejoindre. And then she looked at me and she said, it's gone. The sound is gone. Et puis elle m'a regardé, elle me dit tout d'un coup, mais c'est parti, le bruit est parti. And I said, well, what did you expect? Et je lui dis, bah, tu t'attendais à quoi? So this is how healing works. C'est comme ça que la guérison marche. We've had so many unconscious beliefs, layers of false conditionings. On a tellement de croyances inconscientes, des couches, layers of false conditioning, des couches de faux conditionnement, that tell us what the problem is. Et ces conditionnements nous disent quels sont les problèmes, qu'est-ce qui est le problème. Yeah. But this is actually very arrogant. Mais en réalité, c'est tout à fait arrogant. To be sure we know what the problem is. D'être sûr de ce qu'est le problème. Even though that very mind that is sure it knows is does not seem to have the answer. Même si l'esprit qui est si sûr de savoir ne connaît même pas les réponses. It would seem much more humble to open up and say I do not know. Ça paraît, n'est-ce pas, beaucoup plus humble de s'ouvrir en disant je ne sais pas. Sometimes people will come to me from across the other side of the world. And just make a statement. De temps en temps, des gens viennent à moi de l'autre bout du monde pour me dire. And they'll say, I know we are all connected. I know we are all one. Je sais que nous sommes tous connectés. Je sais qu'on est tous un. But. Mais. And then there they go. Et puis ils continuent avec mais. I say, wait a minute. Why did you put the but in there? What's the but about? Je leur dis, mais attends, deux secondes. Pourquoi est-ce que tu as mis mais? Et pourquoi il y a un mais à ce que tu viens de dire? Well, they say, well, oneness is just an intellectual idea. Ils me disent, tu vois, l'unité, c'est une idée intellectuelle. But they say it is not an experience. Mais ils me disent, ça n'est pas une expérience. I say, oh really? Ah vraiment? I think it feels like an experience. Moi je crois que c'est une expérience. And they say, I know that intellectually. Je sais ça intellectuellement, ils me disent. But, and then they go on. Mais, et ils continuent. So, the experience of peace does not have a contradiction. Mais l'expérience de la paix n'a pas de contradiction, n'a pas de mais. You don't say, I love you, but. On ne dit pas, je t'aime, mais. That doesn't work. Ceci ne marche pas. It doesn't have a reality. Ça n'a pas de réalité. So this is how the healing occurs. Donc c'est comme ça que la guérison arrive. It seems to get more humble and more humble, more humble. Ça part. It seems to get become experience more humble. We seem to get, or the yeah. Or the healing seems to get the healing. La guérison en fait paraît devenir de plus en plus humble et encore plus humble et toujours plus humble. And then, just when you think you've reached complete humbleness. Et juste au moment où vous croyez que vous avez atteint l'humilité la plus complète, and you believe it can't get any more humble, et vous croyez que on ne peut pas atteindre encore plus d'humilité que ça, then you drop through and it gets more humble. Alors
vous plongez à travers tout cela et vous devenez encore plus un. Il dit c'est la même chose que de jouer à la bourse. We all enjoy even watching movies with humble characters, like Forrest Gump. On aime bien même voir des films qui mettent en scène des personnages humbles, comme Forrest Gump, par exemple. Or Chauncey Gardner, being there. Ou Chauncey Gardner. Peter Sellers. Those are adorable characters because we see their innocence and their simplicity. Ce sont des personnages tout à fait adorables parce qu'on voit leur simplicité, leur innocence. If it's all about love and fear, why do we need God and ego? La question c'est si tout a à voir seulement avec l'amour ou la peur, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un Dieu et d'un ego? There really is not two. En réalité, il n'y a pas de deux. Love is real and fear is not. L'amour est réel, la peur ne l'est pas. But the mind that has fallen asleep and believes in illusions. Mais l'esprit qui s'est endormi et qui croit dans les illusions. Seems to need a pathway that leads away from illusions. Semble avoir besoin d'un chemin. Qui le guide en dehors de l'illusion. The ego made the world so that there would be no escape. L'ego a fabriqué le monde afin qu'il n'y ait pas d'échappatoire. No matter how much you would search and form, you would never find an escape hatch. Peu importe tout ce que vous pouvez trouver dans le monde de la forme, vous ne trouverez jamais an escape hatch. A hatch like out of a submarine or an escape gateway. Ah, vous ne trouverez jamais une sortie de secours. And so it is helpful to see that all of the roadways of the world lead to death. Et donc il est utile de voir que tous les chemins du monde mènent à la mort. Because once you see this, you will not continue to keep trying to find another one. Parce qu'une fois que vous voyez ceci, vous allez arrêter d'en chercher un autre, d'en chercher un nouveau. The roadways of the world are all the same, but they seem different. Les chemins du monde sont tous les mêmes, mais ils paraissent différents. You travel down one road, sometimes for a little bit farther, and then a dead end. Vous cheminez sur un chemin, semble aller encore un petit peu plus loin que celui d'avant, et puis vous tombez sur un cul-de-sac en fait. And then you take another road for a while, and then you come to another dead end. Et vous prenez alors une autre route pour un certain temps, et vous tombez également sur un mur, un cul-de-sac. Then there seems to be a period of disillusionment and depression. Like why are there not a successful road in this world? Why isn't there any success happening with these roads? Puis il semble y avoir une période de déception et de dépression. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... Est-ce que ce chemin ne marche pas? Ou est-ce qu'il n'y a pas de ce chemin-là? Etc. etc. I think I went through this. It was the question for me was, what will I be when I grow up? Pour moi, le questionnement, c'était... Qu'est-ce que je vais devenir quand je serai grand? What profession will I be in? Quel métier vais-je faire? What will be my life situation? Quelle sera ma situation dans la vie? Will I be wealthy or poor? Est-ce que je vais être riche? Est-ce que je vais être pauvre? Will I travel or be stuck in one place? Est-ce que je vais voyager? Est-ce que je vais rester coincé dans un endroit? You start to realize that that's all part of a trap. Vous commencez à réaliser que tout ceci fait partie d'un piège. When I was in high school, I took a lot of exams. They call them aptitude tests to find out what I would be successful in, you know, how I would fit into the world. Quand j'étais à l'école, je prenais pas mal de ces tests d'aptitude pour voir ce que je vais faire plus tard dans le futur, dans le monde, etc.
this crazy scores. It was a, the guidance counselors said, we can't even read these scores. Les conseillers me disaient qu'on pouvait même pas interpréter ou lire ces résultats. C'est quoi vos résultats? They didn't know what to tell me. Ils savaient pas quoi lui dire. They felt like they weren't doing their job. They had to tell me something. Ils s'imaginaient en plus de ne pas faire leur métier, il fallait qu'ils me disent quelque chose.